Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. On se retrouve aujourd'hui pour commencer l'intérieur de l'album. Hein. Je vous ai fait la présentation. Et donc, nous allons. Alors, c'est un album qui fait 25 par 25. Les pages font 24 de haut, 23 de large. Mais il est à construction simple. Je me suis un peu emballée au départ à faire un gros album, mais avec deux collections 30-30 et une collection A4, je me suis un peu calmée. Donc, en fait, il est de construction simple, il n'y a pas de complications. J'ai beaucoup travaillé sur le papier, sur l'association du papier. C'est un album d'une certaine taille, mais ce n'est pas une construction compliquée. Donc, je vous rappelle qu'on part sur un bloc qui fait 23 de large. Vous faites un bloc, vous prenez 50 cm, vous faites un pli à 24, vous faites un pli à 48, il vous reste 2 cm pour le rabat. Et votre bloc est fini. Et à partir de là, on va construire. Hein, donc, toujours la même chose. J'ai beaucoup de nouvelles et donc je suis désolée pour les plus anciennes. Je reprends un peu les bases pour dans certains cas. Alors, j'ai deux portes. Une qui va se fermer sur l'autre. Donc, je vais vous donner la dimension de la première. Elle fait 21,4 de large, de haut. Et elle fait 22,5 de large. Alors, les 22 se décomposent comme ceci. 20, 0,5. Un pli et 2 cm pour accrocher la porte à gauche. Les 0,5, c'est le pli d'aisance. Hein. Et la porte de droite, c'est sur 20,4. Donc, vous avez un petit décroché, puisque là, le 24, vous allez avoir plus petit et plus petit de chaque côté. Et là, vous avez 15,4, 0,5 et 2 cm. Donc, ça vous fait 15,4, c'est à cause du dessin que j'ai choisi pour mettre dessus, il fait exactement cette dimension. Donc, quand il y a des dimensions un peu bâtardes, quand c'est pas des chiffres ronds, c'est parce que, en fait, j'ai coupé ça en fonction du papier que je voulais mettre. Voilà. Là, jusque-là, c'est très très simple, et là, vous verrez, c'est très simple aussi. Alors, on va essayer de répartir le 21,4 de chaque côté de la porte, du bloc. Moi, je répartis toujours à l'œil. J'aime bien le pifomètre et le pifomètre à force. Il faut se faire confiance, hein, à force de faire, on tombe juste. Hein, donc, là, c'est pareil, il faut coller sur le haut du bloc. Sinon, vous fermez le bloc. Hein. Donc, faites attention, les personnes qui n'ont pas l'habitude. Il faut toujours... Alors, moi, je le fais à l'envers, c'est normal, parce que je me sers de ma main. Donc, là, à l'intérieur, ça colle vers le haut. Voilà, donc là, j'ai un petit peu en haut et en bas. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Après, vous pouvez mesurer. J'ai un peu plus de distance en haut qu'en bas. Mais franchement, c'est pas grave. Et là, c'est pareil. Il va pas m'embêter, lui. On va essayer de repérer par rapport à cette porte-là. De le poser à peu près, de le répartir, parce qu'il y a 1 cm d'écart entre les deux. Moi, je mesure pas, hein, je mesure pas tout. Voilà, bah, vous voyez, j'ai pas mesuré, mais on est pas mal. Alors, j'ai mis sur mon bureau, vous voyez, je ne vous cache pas, pas mis les aimants. Alors comme ça, au moins, même si je les ai mis, j'oublie pas de les mettre. Et si je ne les ai pas mis, ben j'oublie pas quand même. Parce que là, le nombre de fois à la vidéo, on se fait avoir avec les aimants, c'est une catastrophe. Hein. Parce que quand on construit l'album et que
on colle au fur et à mesure, on n'oublie pas. Mais alors, quand on fait un tuto, je peux vous dire que le piège vous attend avec une délectation impitoyable. Voilà. Donc, pour que ça. Parce que la petite porte vient par-dessus la grande porte. Donc, on colle les aimants du dessous maintenant que la porte. Ça, je ne peux pas faire tant que j'ai pas. Tant qu'on n'a pas collé les portes, on ne peut pas transférer les aimants. C'est pour ça qu'il ne faut pas que j'oublie de le faire quand je vous fais une vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est une construction simple. Alors, pour l'intérieur, j'ai coupé. Alors, déjà, là, je joue la symétrie visuelle puisque je vais faire ça en haut et ça en bas. Et ça, quand on fait des décalages, c'est pour ça que j'aime bien faire des décalages, parce que en haut et en bas, on a le même papier qui ressort. Donc, j'ai pris ce que je vous expliquais à la vidéo précédente. Ce format a l'avantage, quand on est à 23 là et à 24 là, c'est qu'on peut mettre deux fronts d'une manière verticale, 11 et 11, ça rentre dans 23, hein. Et vous pouvez aussi mettre comme ça. Donc tout au long, vous verrez que ce format ne tient rien au hasard. C'est parce que ça permet d'optimiser. Je vous rappelle que tous les albums que je fais sont faits pour mettre des photos 10-15. D'où les espaces, les emplacements photos. Alors, chaque fois, je me fais avoir. Donc, voilà. Ça aussi, c'est fait. Un genre de connerie. Vous voyez, en transparence, on voit ce qu'il y a écrit en dessous. Voilà. Ça aussi, c'est le genre de bêtises. Entre les aimants qui en collent et qui ne sont pas... Bon, ça, ce sont des bêtises qui ne vous arriveront pas puisque vous n'avez pas besoin de filmer. Vous n'avez pas besoin d'écrire les dimensions. Donc, vous n'aurez pas ce genre de mésaventure puisque vous allez coller directement. Alors, je sais que vous allez me dire, oui, mais comment? Alors, là, vous avez 16, vous avez 24. Donc, il faut prendre ce qui reste, hein. Divisé par 2. Alors, je vais vous faire grâce. Ce sont des bandes de 3,7 sur 22,7. Voilà. Hein, donc, ce sont des bandes de 3,7 qu'il faut coller ici. Comme ça. Et entre les deux, je mets un petit bout de papier comme ça, qui fait un peu moins d'un centimètre, et vous avez le fond qui est fait. Bon, donc comme je vous disais, le fond, il y a deux espaces photos. Là, c'est réparti de telle façon qu'on voit le haut et le bas pareil. Ensuite, pour cette page-là, alors j'ai voulu avoir ici un fond neutre, parce que l'image va être sur l'autre face. Et pour la faire ressortir, j'ai choisi un fond neutre. Donc, on va juste coller ça. Comme ceci. On n'a pas oublié de démonter les protections. Alors, vous voyez, c'est la première de couverture que j'ai pris le dos. Alors, je ne sais pas si c'est la collection
principale ou la secondaire, mais c'est la première. Oui, on voit spéciale édition. C'est une réédition de cette collection. Michel Fieu sur sa chaîne YouTube à son nom, elle a travaillé et elle l'a travaillé pour Noël et dans le rouge. Donc je ne l'avais pas encore travaillé et quand je travaille un papier qu'elle a travaillé, j'essaye justement de montrer une autre version pour apporter quelque chose à la création. C'est pas pour faire du copier-coller. On est complémentaires justement dans ce sens qu'on ne travaille pas de la même façon. Alors voilà, là c'est une récupération. J'ai coupé un papier et là je vais récupérer de telle sorte. J'ai mis un fond qui s'associe avec, hein, qui est un peu plus clair. Mais voilà, ça c'est une récupération d'une chute de papier où j'ai enlevé un grand morceau là. Et ben, on ne va pas le perdre. Donc on va le coller ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça en premier. On va essayer de ne pas être trop bête. On va coller ça là. Et on va faire ça. Ce sera plus facile de coller l'autre par-dessus. Ensuite. Mais attention, on le colle par-dessus, on fait une pochette. Hein. Parce que c'est le but, c'est à l'envers, je ne colle que ça. De telle façon à rentrer, à pouvoir rentrer un livret. Alors, je l'ai déjà fait. C'est un livret de 22 par 16 pour mettre deux photos. Donc, il n'est pas fini, mais j'ai mis la première page déjà. Je finis toujours mes cartes et mes livrets une fois que tout l'album est collé avec les règles de papier. Oui, je fais des allers-retours dans mon album. Avec Michel, on ne travaille pas du tout de la même façon. Chacun notre méthode. Moi, elle fait plein d'albums pour des boutiques, dont Scrap for Love. Et vous voyez donc ce que je vous disais, on va pouvoir insérer ça ici. Voilà. Alors, je me suis posé la question quand je l'ai fait, quand je l'ai imaginé, si j'allais accrocher ici ou pas. Non, je pense que on va laisser comme ça. Donc voilà une récupération malgré l'angle. Voilà, donc vous voyez, on a une petite pochette avec trois photos, plus deux photos. Donc ça c'est fait. Ah ben, il y a la règle qui colle aux aimants. Donc ça c'est la porte de dessous qui est aménagée comme ça. Voilà. Alors la porte de dessus, la partie décorative. Alors j'ai voulu mettre en l'honneur cette petite hermine. Et là j'ai fait un papier pareil. Je ne sais pas si c'est pas. Non, c'est pas ça. C'est une chute. Ça doit venir. Non, c'est pas ça non plus. Je sais pas d'où ça vient. Enfin bref. Là, on mettra peut-être une carte. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on a les aimants. Donc, c'est plutôt ce côté-là qu'il faut décrocher en premier pour positionner correctement notre papier. Pour pas le coller de travers. Bien faire attention. On a trois. Moi j'enlève 3 mm à la dimension de mes papiers de structure. J'enlève 3 mm pour les papiers décor. Donc ces 3 mm, il faut après les répartir tout autour harmonieusement. Donc mathématiquement, ça fait 1,5 mm. À vous de trouver l'équilibre avec les yeux, la force de l'habitude, pour répartir ces 3 mm harmonieusement. Ça fait ressortir
Ça fait comme un matage en réalité. Hein. C'est pour ça qu'on fait comme ça. On fait ressortir le fond. Le fond donne de la structure à votre page. Et là, n'hésitez pas à travailler à plat quand vous pouvez. Et ça, c'est donc la page décorative qui va se mettre ici. Vous voyez, on n'est pas dans le rouge, on est plutôt dans le beige, dans le vert pâle. Il y a bien les roses. Hein. Il y a bien les roses, mais pas en dominant. Vous savez que mon... Je n'aime pas les roses. Hein. C'est pour ça que je m'appelle Rose du Jardin. Moi, je suis orchidée. Je ne suis pas rose. Je trouve que je n'aime que les roses. Anciennes. Je trouve qu'on a tellement trafiqué, bouturé, machin. C'est loin de mes. De mes valeurs de nature, de trafiquer, voilà. Donc voilà, une petite page, il y a quand même du rouge, il y a un peu, c'est pâle, c'est volontaire. Quand on ouvre, il y a des roses, il y a des roses ici, il y a du rouge. Donc là, vous avez deux ou trois photos, plus deux ici, et ici, on pourra mettre une carte. Ça fait quand même six photos sur cette page. Voilà, donc, voilà, première page, vous voyez, très épuré. Tout l'album va être dans cet esprit épuré. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous donne envie de le faire, bien que le printemps doit travailler un petit peu tout le monde. Bon, c'est une bonne occasion de faire un album de fin d'hiver. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous remercie d'être toujours aussi fidèles. Je salue toutes mes fidèles que j'ai vues au salon de Nîmes, que j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer avec Michel. On a rencontré plein de gens, un vrai fan club. On s'est sentis des vraies stars du showbiz à un moment donné. C'était très très drôle. Et ben, j'espère en rencontrer d'autres à version scrap. Si les trains roulent et si tout va bien, pour le samedi 1er avril. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.